je vous cherchais. Bonjour Hakim, ça va? Ah bah super. J'ai une nouvelle idée. Ah, tant mieux. Ah, hier, je me suis rendu compte en faisant mes courses qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, il y a des cartes de fidélité. Oui. Sauf que moi, tout le temps, je les oublie. Ce qui fait que j'en ai plein pour plein de magasins chez moi, mais jamais sur place. Donc je me suis dit, on les regroupe toutes, on les met dans une application sur le téléphone, comme ça on les a tout le temps sur nous. Mmh. Et vous appelez ça? Portefeuille. Non, LifePay. Alors ouais, non, j'ai entendu parler de LifePay, oui. Mais portefeuille c'est différent vu que c'est pas le même nom. Oui, alors ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Ouais. C'est pas le même nom. Ouais. Mais c'est quand même exactement la même chose. Bah non, dans ces cas-là, la Xbox, la PlayStation, c'est pareil. Hein. Non, en fait, c'est pas la même chose parce que c'est pas la même console. Tu vois? Bon, d'accord. Alors, ce qu'on peut faire, ouais, une autre carte, ouais, ouais. C'est par exemple quand vous allez au restaurant avec votre copine, voilà, vous êtes en couple, mais vous n'osez pas dire devant les gens, ouais, on partage, etc. Vous avez une carte, hop, vous payez, et c'est la carte qui partage elle-même sur les deux comptes différents, plus obligé d'avoir d'un compte commun. SharePay. Eh ben non, parce que SharePay, en fait, c'est un truc de coloc. C'est un truc genre, ouais, je vais faire les courses pour la coloc, hop, je remplis le frigo et c'est partagé dans tous les colocs. Alors que là, c'est un truc de couple. Ouais. Mais ça marche en fait pour le couple et pour la coloc, les deux. Ah, c'est pas en fonction du nombre de personnes alors. Non, c'est en fonction de... Et la relation, d'accord. Okay. Allez, ouais. Encore une. Voilà, totalement autre chose, rien à voir, voilà, ok ouais. Vous devez visiter un appartement, ok. Genre, vous êtes muté ailleurs, c'est super loin, vous pouvez pas forcément y aller, ok. Et bah, vous mettez un casque de réalité virtuelle et hop, vous visitez l'appartement en réalité virtuelle, à distance. Vectuelle. Non, réalité virtuelle. Non, Vectuelle, c'est le nom de la capsule que vous avez essayé là. Ouais, c'est vrai que ça, peut-être je l'ai visité, j'ai essayé. Ouais. Ouais. C'est l'inconscient ça? Ça, c'est possible. Hein. Et l'eau tiède, vous l'avez inventé, l'eau tiède peut-être? Alors non. Ah bah voilà. Ça non, voilà. Ça non, mais. Voilà. C'est pas déposé. Pardon, hein, pardon. C'est pas déposé. Peut-être que c'est pas déposé. Mais c'est pas déposé? Je sais pas si on peut le déposer, mais peut-être c'est pas déposé. Mais je vais déposer l'eau tiède alors. Tout de suite. Ouais. Immédiatement. Ouais. Avant que quelqu'un vous le nombre de personnes qui utilisent l'eau tiède, ouais. Avant que quelqu'un. Où est-ce qu'on fait ça? Bureau des brevets, juste là-bas. Là où il y a écrit sortie là? Voilà. Après, tout droit. Ouais. Sur 2 km. Ouais. À droite, vous pouvez pas te tromper, c'est écrit. Et bah mon pote, je vais déposer l'eau tiède. Merci beaucoup. Ça. Avec plaisir. Bonne fin de salon. Ça fait plaisir d'aider les petits jeunes.